Pourquoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi d'abord quand tu es levé? Toi, oui. Qui veut parler? Tu veux parler maintenant? Tu as parlé. Papa, il y a Elle demande pour son camp. Elle veut tout laisser pour que vous ayez. Elle veut quoi? Elle veut tout laisser pour que vous puissiez la délivrer. Oui, mais c'est ce qu'il veut. Il veut tout laisser. C'est moi qui t'envoie ici. C'est moi qui t'envoie ici. Il est frère Balle. Stop. C'est toi. Ils sont de pas force, hein. Sinon tu ne me voyais pas. Si c'est force, je ne me voyais pas. Je vais doucement avec vous pour vous aider. Si on ne peut pas force, tu dois aller dans force. Là, si on va sur ce terrain, là, il y a des gains. Tu veux laisser la vieille? Merci, bye. Dans quel village? Tu as quoi? Merci. Comment tu as la sorcellerie? Mon noir. Ah. Elle a un sexe ici pour les femmes. Voilà, maintenant parle. Ah, c'est bizarre, hein? Toutes les femmes là, tu as ça, je t'appelle ici. Hein? Ça te demande. Hein? Tu fais ça quoi? Tu fais quoi, ça? Hein? Et quand vous sortez? Pour les donner la prostitution. T'as quel âge? 14 ans. Puis tu connais ça? C'est une nouvelle année que tu es en train de venir, on n'a pas d'écouter les sanitaires. Chacun doit les préparer, janvier. Qui t'a donné à ce sujet? Ma camarade. Comment elle t'a donné? Oui, elle a mangé rien, c'est mal. Comment? On mangeait. Et bien, m'a donné. Et puis la neuve me cherche. Je m'assois un peu, je suis fatigué. Non. Moi, je suis petit ici. Jésus, là, c'est lui qui doit, on doit regarder ici. Franchement. C'est un cadeau, mais le cadeau, là, franchement, c'est les choses que je ne peux pas faire dans l'église. Je m'assois dans ça. Ah, puis on regarde le patron. C'est lui qui est patron, c'est Jésus. Hé, hey, madame, donc tu donnes la prostitution aux gens? Oui. Hein? Oui. Tu leur donnes un conseil pour chez les gens, c'est comme ça. Oui. C'est un travail. Tu as tué combien? J'ai tué 10 personnes. 10 personnes, comment tu les tues? Je prends les noms. Hein? Nam. Je parle français. Oui. Sans rentrer comme on est. Vous regardez là, tu as parlé. Hé, hey, faut t'asseoir. Toi qui t'as parlé français. À l'école. Tu dis école là,
ne va plus à l'école. Toi, c'est ta dit hier. Tu s'apprends avec François Jean. Lui, t'as fait quoi? Il est parti dans le camp de Bête. Il est parti à Mla dans le camp. Comment ça? Oui, pas de elle. On attend le temps de camp. Elle a dit quoi? Tu tues comment les gens? Tu les tues comment? Il y a un mes yeux. Comment tu fais? Il y a un mes yeux. C'est lampadaire. Oui. Comment tu allumes? Il prend mes yeux. Et puis il fait comme ça. Ça les tue. Qu'est-ce qu'ils sortent de pour les tuer? C'est comme pour boule. Comme le feu. Ça les tue. Oui. Tu fais comment? Non, tu peux me tuer, faut faire expérience. Mets-toi là-bas. Mets-toi comme ça. Puis tu me regardes et puis tu envoies le feu là sur moi. Tu peux. Vas-y. Je peux pas. T'as tué combien de personnes comme ça? J'ai tué 10 personnes. T'as caché combien de personnes? J'ai caché 3 personnes. Qui est qui? Ma petite soeur. Elle est où? Tu as mangé? Oui. Elle est où? C'est gardé là-bas. Ma camarade. Petite là. Tu as mangé la petite là? C'est frère. Tu as mangé la petite à Didier? Tu as mangé? Oui. Elle t'a fait quoi? Quelle sauce t'allais faire? Sauce à magie. Magie. Ils vont plus te manger, hein? Ils vont plus qu'on t'appelle. T'as quel âge? 4 ans. Aide à te manger. À te manger. À la carte de manger. Non. Ah, papa t'a mangé, t'as compris? Jésus te protège. Les enfants, ce sont des anges. La puissance de Jésus. Ah, papa t'a mangé. On est d'accord? Hein? Elle est innocente. Elle ne sait pas ce qui se passe. Oh, la sauce à Rachid. C'est qu'elle a été montrée la sauce à la chine. Oui, puis qui encore? Tu dis trois. À part celle-là, qui? Elle m'a grossi. Où elle est? Elle a piqué. Et qui encore? Elle m'a camarade. Tu dis camarade aussi? Oui. Donc tu traverses l'Espagne pour aller manger ailleurs. Hein? Oui. C'est possible. Hein? Oui. Tu as gâté qui? J'ai gâté 2 personnes. Qui est qui? Ma maman. Voilà. C'est ta fille? Non, c'est ma fille. C'est toi qui l'as envoyée? Mmh. Ah, pour dire que ce n'est pas nous qui sommes allés la chercher, hein? Non, ce n'est pas ça. Ah. C'est moi qui l'as envoyée. C'est toi qui l'as envoyée? Mmh. Pourquoi? C'est parce que moi, je ne me sens pas bien. Tous les jours, j'étais malade. Il a dit, elle, là, tu l'as envoyée pourquoi? Il l'a envoyée pour qu'elle est sorcière. Hein? Elle est sorcière. En quelle a délivré?
Veux-tu manger? Elle voulait me manger. Elle t'a déjà mangé? Tu as déjà tué ta maman? Oui. Mais pourquoi t'as pas dit ça tout de suite? Ta maman, elle vit pas son âme. Hein? Oui. Mais pourquoi tu dis pas ça? Le 8 janvier, tes têtes montent. Hein? Le 8 janvier, tu étais morte. Pourquoi tu n'as pas dit ça toujours? Hein? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Ton âme n'est pas là. Pourquoi tu ne dis pas ça? Je voulais dire ça. Je dis que où elle est. Tu as dit trois personnes. Tu as parlé, tu as dit le nom des gens. Où est-ce que tu n'as pas dit? Pourquoi tu n'as pas dit pour elle? Ça, toi, je demande, hein, soit, vous êtes nombreux. Hein. C'est vous qui êtes venus, vous êtes délivrés. Donc, si vous ne voulez pas, vous allez repartir avec votre sorcellerie. Et puis, allez mourir là-bas. Oh, c'est comme ça maintenant ici. Hein. Celui qui ne veut pas se faire délivrer, ben, il part chez lui. Mais avant de partir, j'ai un bouclier sur toi. Comme ça, si tu vas à la maison, tu achètes un cercueil. Les 10 jours après, tu meurs. Je ne suis pas là pour les vendre. 2016, la même, j'ai changé de stratégie. Hé, hey, pourquoi ta maman, tu l'as mangé, tu n'as pas parlé? Je ne veux pas la dire. Hein? Je ne veux pas la dire. Et pourquoi? Il a déjà tué. Hein? Il a mangé, il a déjà mangé. Tu as mangé quoi, ta maman? Il y a quoi? À quoi? Quand on pleure comme ça, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Hein? Mais il y a espoir et tu pleures. Faut pas pleurer. Tu pleures et te laisser dans la situation. Vous voulez manger quelle sauce? Non, ils sont graines. Elle faut tout. Quand tu peux manger ta maman. Donc tu sais, c'est un assoupier, la sauce est là, et le photo est là. Tu sais que c'est ta maman, et puis tu manges avec appétit. Comment tu trouves ça? Tu gâtes la vie des gens, tu restes dans la prostitution, tu gâtes la vie des gens. Comment tu trouves ça? C'est à toi, Léon. Et tout ça, bien. Oui. Est-ce que là, comment on va faire? Quand tu fais sorcier, c'est bon. Lâche-la. Je condamne l'esprit de mort. Lâche-la. Lâche son corps au nom de Jésus. Tu la libères maintenant. Maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Vous êtes très sensible.
Shonda. Dans le nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Lâche Shonda. Au nom de Jésus. Esprit de la sorcellerie. Comment? Allez! Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Dans le nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Va-t'en. Va-t'en. Colle! Allez, feu! Venez, venez rapidement. Feu! Feu sur toi! Feu! Là-bas, vont prier. Dépêchez-vous, lâchez-vous. Prenez-la, amenez-la là-bas. Lâche-la. Le feu sur toi. Le feu. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Lâche-la. Où c'est le vrai délivrance là? Hein? Amène-la, délivrance. Il doit aller rapidement. Délivrance. Tu es délivré. Voyez-la. Viens ici. Toi, t'es venu hier. On a trouvé ton fils, John. Il est pas moi. Je t'appelle John. Ton nom est John. Tu t'es John. Il a quel pour lui là? 35. Attention, hein. Attention. T'as compris? Attention, hein. Tu fais baver, tu chutes, tu as compris. C'est toi qui as pris. Trompe-la. Non. Tu as fait quoi les trompes? Tu as vu que Jésus est fort? Tu as fait quoi et quoi? Il y a pas que ne pas faire peur. Pas ça. Il y a moins pas le cœur là-bas. Et puis Jésus allait reprendre ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dit? C'est que j'ai dit. Il y avait programmé mon père. Le sorcier. Pour qu'il descende le masque, qu'il est attaché, il y a plus un homme qui met dans le canal. Mon père qui vient là, il veut se transformer. Je suis soulevé, puis c'est parti. Puis il a mis ça dans le canal. Et après ça, il a mis son âge dans le canal. Il n'est pas que gagne l'argent. Quand il veut prendre l'argent, il siffle ça. Puis ça rentre dans notre camp. Ça rentre dans notre camp. Comme ça, tu as mangé d'Adjina. Mange sec. Oui, allons-y. Après ça, mon papa a fait chier de ma maman. Je suis partie et puis elle chier. Elle s'en s'éveille. On appelle ça Bougnini. Il a chier sur son lignon. Il n'est pas qu'elle puisse avoir mangé. Maintenant, après ça, je me suis transformée en serpent pour aller la piquer. Elle puisse avoir mot de vol. Après ça, encore, je me suis transformée encore en hibou pour aller sur son. Son toit. Il n'y a plus âme de ma tête, il a envoyé ça de l'autre camp là-bas. Là, ma tête, elle disait, moi, il a attaché. Il a serré son cou là-bas, dans la tête, dans la mangée, il faut s'arracher. Pourquoi s'arracher aujourd'hui? Maintenant, après ça, il voulait prendre mon papa. Non, il couchait mon papa en société. C'était mon mari. Il dormait, il était dans la mangée. Vous voulez écouter?
Il y a un couché à mon papa, c'était mon mari. C'était mon mari de là-bas, il y a un frère. Deux. Il fait un garçon. C'est moi le commandant là-bas. Si il dit il ne veut pas, c'est moi le frappe. Si il dit il ne veut pas faire l'amour, c'est moi le frappe. Et le chicote. C'est quelqu'un qui fait l'amour. Papa. Après ça, mon papa, il est parti. Il est allé en voyage. Vous avez tout compris, non? Parce qu'elle faisait aussi l'amour à son papa là-bas, donc son papa n'arrivait pas à procréer ici. Parce qu'il a fait 10 ans, la dame d'hier, là. C'est 42, le témoignage dans la veille, le culte d'hier. 10 ans. Après ça, mon papa est parti au voyage. Allez faire délivrance. Après ça, mon papa est parti au voyage. Maintenant, ma grosse est venue. Quand ma grosse est venue. Voilà, maintenant, elle est bienvenue. J'avais la tête de. Une vipère, tu chutes. Maintenant, après ça, quand ma grosse est venue, ma grosse est quittée en vacances, c'est bien voilà, la vie. J'aime bien oui. Voilà, pour ça, c'est oui. Quand ma grosse est venue. Allez vous asseoir. Elle est venue en vacances. Quand ma grosse est venue en vacances maintenant, ma grosse est tombée malade. Quand ma grosse non, est. Asseyez-vous. Quand ma grosse est tombée malade, elle est tombée malade. C'est moi, elle est rendue malade. Elle est rendue ma grosse est malade. Je suis venu, il a attaché ma grosse dans nos camps là-bas. Il l'a tué. Il a pris son âme et puis il est parti ça. C'est ça, après ça, on est venu ici. C'est ça, le pasteur Philippe, là. Il m'a dit de dire ce qu'il a fait. C'est ça qu'elle dit ça. C'est son prière pour le plus. Son âme, elle était déjà morte. Son âme, c'est ça qu'elle dit. On est venu ici. On m'a dit de parler. Qu'est-ce que tu as fait? Il a pris son âme. Tu as gâté qui est qui? J'ai gâté mon papa. J'ai gâté tous ses biens. Comme! Peut-être pour nous aider, sinon j'ai arrêté le sens. Comment aller? Feu! Allez, fais ta délivrance. Allez, c'est blanc parmi les noirs. C'est pas la peine de nous. Hein? C'est ça, on fait à sa vie. Écoute. Voilà. Faites sa délivrance, allez. Faites sa délivrance. Lâche. Le travail est trop difficile. Et? On prend trop d'énergie. Je veux regarder. Jésus est Seigneur. Amen. Je suis sorcière. À ma naissance, ma grand-mère m'a mis ça dans la sorcellerie. Elle m'a lavé avec de l'eau. Et puis elle a mis une poudre sur mon fontanel. Et elle m'a initié. Après, que les gardiens, et puis elle m'a dit que c'est elle qui m'a initié. Et puis après, elle a dit d'envoyer. Elle a pris mon étoile. Pour retourner dans la sorcellerie, donc il a donné mon étoile. Et puis il s'est retourné dans la sorcellerie. Vous connaissez l'étoile, c'est la gloire. Et puis elle a pris. Elle dit d'envoyer ma maman. J'ai essayé, il n'est pas pu. Jusqu'à présent, j'ai essayé son nom, je ne peux pas. Mais il a bloqué, il a gâté sa vie. Elle ne peut pas se marier. Quand il y a un homme qui vient à côté d'elle, il ne peut pas, il ne peut pas deux, il faut être ensemble et puis ils s'en vont. Elle s'en va partout. Elle ne peut pas se marier. Je suis mariée avec elle spirituellement. Je suis mariée avec elle spirituellement, je couche avec elle. Et puis, il a gâté la vie de mon papa.
Ça, il ne peut pas avoir de l'argent dans sa main. Il ne peut pas avoir l'argent. Sa main est pressée. Il ne peut pas avoir l'argent pour mettre une vie. Et gâter la vie de ma grand-mère. Elle ne peut pas avoir l'argent. C'est la pauvreté, son mort, que le sang. Si elle. Et puis, il a tué ma grand-mère. Elle s'appelle Agnès. Il a tué. Il est étouffé et puis elle est décédée. Il l'a envoyé dans le monde là-bas. Et puis. Pourquoi ta voix est franche? C'est le lieu de crimes, la pointe du pleurer. Sinon, c'est le lieu où on veut te délivrer, là, ça, tu fais semblant de pleurer. Il faut arrêter tes coloris, là. Sinon, tu es chassé d'ici. Tu es pleuré. Tu es chassé d'ici, hein. Voilà, nous, on n'est pas là pour les coloris. Tu t'en es derrière quelqu'un en train de mourir, tu en vas pleurer. C'est là, l'endroit où on te délivre, là, c'est là que tu pleures. C'est de la comédie? On peut partir, on veut continuer ou bien? Hein? Mais je t'écoute. Et puis, il y a... Elle doit t'habiter. Tu les gens, tu fais comme tu es habité. Pourquoi quand tu l'as tué, là, tu n'as pas pleuré? On voulait tuer les gens, ils vous demandent pardon, vous refusez. Et puis, il a attaché mon oncle. Il a attaché ma tête. Il a attaché ma... Il a attaché un bébé. Il a attaché... Pour faire quoi? Pour les tuer. Les manger? Oui. Tu veux les manger? Oui. C'est quand? La tête. Non, toi, tu as beaucoup de viande. Nous, on a des petits poulets. Toi, tu as plein de poulets pour manger. Tu as attaché combien de personnes pour la fête? Il a attaché... 7 personnes.